Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce débriefing de la 18e session de Par-delà le carnaval de Sorcelume. Alors dans cette session on a recommencé dans le sombre carnaval et donc là ils ont dû quitter l'endroit. Donc j'ai voulu que ce ne soit pas si facile que ça. Ils avaient deux options, ils avaient le, le ballon, ils avaient le, le fait de repasser par le, le miroir et je voulais que s'ils repasser par le miroir qu'il y ait quand même un sentiment de, de piège. De, de difficulté à quitter l'endroit, donc de, de se perdre un peu dans ce, de ce labyrinthe de miroir. Et j'ai gardé l'idée euh, qui était euh, posée précédemment que eh bien, pour se diriger dans ce, ce labyrinthe, il fallait euh, s'orienter en fonction de sa volonté, en fonction de peut-être de quelque chose qui nous guide. Qui nous guide. Euh, donc j'ai proposé donc ces reflets un petit peu de, de, ces, de, de ces choses qui tourmentent les, les personnages. Et. Euh, Là, euh, Warwick s'est laissé guider par, par ce, ce, ce reflet et on a fait un petit détour par longue souche. Alors, je pense que, que Kanjar et Krioban n'avaient pas forcément envie euh, de s'attarder trop sur ce détour, donc ils ont, ils ont remis un petit peu le, 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 le parcours sur, sur les rails, on va dire. Et, euh, mais en tout cas, voilà, s'ils si, si avaient souhaité euh, repasser, prendre leur revanche face à Skabata, euh, c'était une chose possible. Euh, c'était l'occasion peut-être de, de, de retrouver euh, d'autres compagnons euh, dans, dans, ce, dans cet endroit. Voilà, c'était une opportunité qui, qui s'offrait à eux en tout cas. Et donc, après, euh, retour dans la, la galerie des, des glaces, euh, je n'avais pas prévu exactement, je ne savais pas comment ils allaient euh, retrouver euh, leur chemin vers de mer J'ai trouvé que le fait d'utiliser les, les ciseaux, c'était une, une très bonne idée. Hein. J'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Donc voilà, ils ont pu retrouver leur, leur route vers, vers Cornemère et quitter enfin ce, ce sombre carnaval. On entame donc là le chapitre 5, hein, le dernier chapitre qui touche donc au palais du désir ardent. Euh, ce palais, c'est un grand donjon. Euh, donc euh, c'est un grand donjon qui n'est pas forcément très bien conçu. Donc, euh, je ne voulais pas forcément m'attarder dessus. Hein. Je ne voulais pas forcément, je ne veux pas faire une exploration euh, très détaillée euh, de, de ce donjon. Le point qui me semble le plus intéressant, c'est que le fait d'explorer ce donjon permet de mieux comprendre qui est Sibylna. Ça permet de révéler un peu ses secrets, ça permet de révéler un peu euh, ses différents traits de personnalité, euh, sa, son parcours, qui elle est réellement, ses identités. Voilà, quelque chose qui peut être utile euh, pour conclure cette, euh, cette campagne. Mais ce n'est pas indispensable. D'autant qu'il y a euh, des soucis euh, dans euh, l'organisation de ce, de ce donjon. Alors déjà, y a un premier souci, c'est qu'il y a une erreur. Il y a une erreur dans euh, la traduction française. Je me suis laissé abuser. Euh, J'ai pas fait attention, malheureusement. Dans la traduction française, euh, il est indiqué que les portes sont euh, verrouillées et que les fenêtres sont déverrouillées. En fait, en vérifiant euh, le texte dans le module Roltoiti, je me suis rendu compte que c'était bien sûr l'inverse. Les portes euh, qui ne sont pas marquées du cerf ou du lion sont déverrouillées et ce sont les fenêtres qui sont verrouillées. Donc, je, lors de, de la partie suivante, je, je vais rendre euh, des utilisations du carillon aux joueurs, puisqu'ils ont, ont utilisé ce carillon pour euh, des portes où ça n'était pas nécessaire. Et en plus, ça a un peu ralenti euh, la première exploration de ce, de, de, du palais, hein, les, les premiers pas dans ce palais. Ça a un petit peu ralenti ça, ça donne un rythme un petit peu, un peu compliqué euh, à, cette, à cette exploration. Donc là, vraiment, j'attire votre attention là-dessus. Euh, attention, il euh, y a une erreur dans la traduction française. Ils se sont trompés, ils ont interverti les deux termes. Ceci étant dit, c'est vrai que beaucoup de gens le remarquent, il est tout à fait possible d'éviter complètement une grande partie de l'exploration et d'arriver directement dans la salle de bal où se, passe, se déroule le dédouement un peu de cette, de cette campagne, en passant sur le côté par on va dire, le garage. Hein, et donc, euh, voilà, donc là, c'est pas ce que mes joueurs ont, ont choisi. Ils sont retrouvés, ils ont pris la porte centrale qui est, qui est le, le chemin le plus évident et qui, qui ne mène pas à grand chose en fait. Qui, 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 les, les endroits qui, qui sont accessibles par ce biais-là ne sont pas très, pas très intéressants. Ils ont découvert le, le, le joyau noir, mais ils n'ont pas compris ce qu'il recelait. Donc, euh, voilà, on, on est passé un petit peu à, à côté de, de, de cette partie-là. Euh, voilà donc ça c'est euh, vraiment euh, une partie euh, qui est un petit peu euh, particulière alors il reste quand même quelque chose de qui peut être sympathique hein, c'est ce côté euh, énigme ce côté euh, voilà le, le, la fameuse énigme euh, pour, euh, avec les, les portes elle est pas c'est pas l'énigme n'est pas très compliquée, hein, à partir du moment où euh, on, on fait un petit peu attention à, où on on, est, on a l'exposé de la situation par, euh, par le cerf. Je pense qu'on peut assez facilement trouver euh, le, le, la, la, la solution de l'énigme. Voilà, donc c'est un petit, un, petit, petit un petit obstacle qui peut être sympa à passer. Euh, donc là, on a, on a choisi de le gérer complètement en, en, en utilisant le talent des joueurs, le player skill. Hein, euh, ils, ont, ils ont trouvé l'énigme. Euh, S'ils si avaient vraiment été bloqués, j'aurais pu les, les décoincer un petit peu avec... Euh, avec soit les, les PNJ qui les accompagnaient. Hein. Mais voilà, je pense que c'est plus intéressant à ce moment-là de les laisser un petit peu cogiter sur cet énigme qui n'est pas très complexe. Voilà. Donc, euh, le, le, le but là, euh, c'était de, de, de poser aussi l'ambiance, de poser l'atmosphère de, de ce palais euh, qui, est, euh, qui est figé euh, dans euh, cette euh, immobilité avec. Euh, aussi un sentiment de danger, hein. c'est pour ça qu'il y a aussi le Jabberwock qui réapparaît, hein, qui montre qu'il faut quand même se méfier. C'est un palais, où on, il y a quand même des, des côtés très magiques qui sont mis en, en jeu, euh, donc ça, ça encourage aussi les joueurs à avancer dans ce palais de façon un peu circonspecte, en faisant un peu attention à ce qu'ils qu qu font. Donc euh, voilà, voilà. Alors après, je, comme je, je vous le dis, je n'ai pas l'intention de m'attarder trop. Sur l'exploration en fond en cours de, de ce palais, donc sauf si, si les joueurs euh, y trouvent euh, trouve un intérêt, mais on va essayer d'aller de, de, vers euh, ce qui me semble le plus intéressant, c'est-à-dire euh, ben, la résolution finale de, de, de cette campagne, hein, l'aboutissement de, de toute leur quête. Voilà, je n'ai pas grand-chose de plus à dire pour l'instant euh, sur, euh, sur ça. Alors, juste, moi j'ai choisi il y a certains meneurs de jeu qui font des transformations hein, sur le palais, qui modifient euh, la place des. Des, des pièces pour rendre l'exploration le, peut-être un petit peu plus compliquée j'ai pas choisi de faire ça parce que justement euh, je me dis qu'au pire s'ils si, si accèdent assez facilement à la salle de balle bah c'est pas grave je pense que ça peut être, être l'opportunité de, de, de conclure cette histoire euh, d'une façon intéressante quand même voilà donc c'est tout ce que j'ai à dire pour cette partie là je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite et la fin euh, des aventures de nos héros. Euh, voilà, à très bientôt.